OK, voilà comment se présente la plateforme de SGI, Bring Bank Security. Où je suis? Là, quand on ouvre on a accès à la plateforme, vous suivez le curseur. Donc, en cliquant ici, on clique ici et là s'ouvre en bas. On clique là et nous avons ici la liste des sociétés qui sont cotées à la bourse. La liste des sociétés qui sont cotées à la bourse. Là, ici, on va faire une démonstration comment acheter une action. Vous voyez ici, là, à votre gauche, il y a des petits cercles en noir. Noir, c'est acheter. En rouge, c'est vendre. En rouge, c'est vendre. Ici, ça c'est les dernières cotes, les dernières exécutions. Dernières exécutions, c'est le temps, là, les heures à laquelle ça a été exécuté. Ça c'est les quantités achetées. Et ça c'est l'achat, le cours du jour. Et puis les ventes, et les quantités vendues. Ici, c'est les derniers cours du jour. Les derniers cours. Ici, c'est la variation. C'est écrit ainsi de suite. Les quantités échangées. Ça, c'est le cours, comme c'est écrit, le cours de la veille. Le cours minimum et le cours maximum. OK? D'accord. Donc, ici, on revient là. Supposons, ceux qui sont en rouge. En rouge, c'est quand les actions sont en baisse. Et en vert, c'est quand les actions sont montantes. OK? Bon. Alors, comment se présente la société? C'est la deuxième société, Vivo Énergie, qui est ici. C'est là plus de 46 sociétés. Maintenant, comment acheter et comment vendre? OK? Pour acheter et vendre, pour acheter d'abord, pour acheter une action, on procède ainsi. Bon, moi, je vais vous présenter mon portefeuille. C'est en fonction de mon portefeuille que je passe l'achat. OK? Mais pour un débutant, dès cet instant, peut faire ses achats. Bon, on appelle ça prendre position, ou bien faire passer un ordre d'achat. On peut faire passer un ordre d'achat Air Liquide ici. Là, on appuie, on met un clic sur le cercle noir, achat, c'est affiché achat, et ainsi de suite, ça apparaît. Maintenant, dans mon cas d'expérience, dans cette démonstration, c'est en fonction de mon portefeuille. Ici, c'est écrit mon compte. C'est écrit mon compte. Et là, on clique ici, sur mon portefeuille. Et voici le portefeuille qui apparaît. Qui apparaît là. Le portefeuille apparaît là. Je vais le faire lever un peu pour qu'on voit. OK. OK, il saute là. OK, voici mon portefeuille. Mon portefeuille, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sociétés. 9 sociétés cotées qui sont là. Il y a Air Liquide, BO Niger, CFAO, Courant Siemens, Côte d'Ivoire, Onatel Burkina, Aura Group, Sicable Côte d'Ivoire, Sucre Ivoire et Vivo Énergie. Et nous allons voir un peu plus loin. Ici, c'est les quantités, c'est le nombre d'actions que compose mon portefeuille. Air Liquide, j'ai 1157 actions. Vivo Énergie, j'ai 15 actions. Ainsi de suite. Voilà. Et donc ici, c'est les quantités disponibles qui sont là. Et là, c'est le cours moyen pondéré. Le cours moyen pondéré, c'est-à-dire, c'est comme si on disait de l'autre côté le prix unitaire. Le prix unitaire auquel on a fait ses achats. En Vivo Énergie, nous avons ici le cours du jour, c'est 950 francs. 950 francs est le cours du jour. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu veux acheter un achat de plutôt Air Liquide, si vous voulez faire un achat plutôt de Air Liquide, vous allez l'acheter à 500
à 950 francs. 950 francs. Bon. Maintenant, si on part, on compare le coût moyen pondéré, mon coût moyen pondéré de 218 francs, c'est comme moi, je l'ai acheté à 218 francs l'unité. Donc, multiplié par les 1157 actions, c'est, voilà ce qui ça donne comme plus-value. Et la plus-value, c'est la différence entre 218 et 950 multiplié par le nombre d'actions qui sont ici, ce qui fait la plus-value. Si on veut parler, on dirait que c'est mon bénéfice. Ok, et là, et on parlera de mon bénéfice. On parlera de mon bénéfice. Ils disent ici, c'est le pourcentage de pondération. Mon bénéfice est 846 620 francs. De 2019 à aujourd'hui, j'ai investi ça, 218 francs, mais plus par bon, 1000 et quelques, ça fait 200 et quelques mille. J'ai investi pour avoir un bénéfice de 846 620 francs. Donc le total fait 1 099 150. Voilà comment on gagne à la bourse. C'est ici mon bénéfice. Ça, c'est le plus-value. Si je vends cette action, j'ai une plus-value de 846 620 francs comme bénéfice à moins de 2 ans où j'ai investi 200 000 francs. OK? Voilà. Ça, c'est deux. Donc, quand on prend pour, et on prend aussi pour le contre. OK? Vous voyez ici, nous avons ici les chiffres en rouge. Les chiffres en rouge, bon, on prend 6 câbles. On prend 6 câbles, bon, actuellement, c'est en plus, je prends sucre ivoire. Sucre ivoire, au moment où j'ai acheté, il coûtait 1220 francs. 22 francs, plutôt. J'ai acheté à 1220 francs, 22 francs. Aujourd'hui, le cours du jour, il est à 945 francs. Donc, ce qui fait, ça, c'est la moins-value. Le plus-value, mais c'est la moins-value. Donc, c'est ici en deçà. Donc, si je vends cette action, je perds cette valeur, 12 556 francs. OK? D'accord. C'est pour mieux comprendre les prochaines explications que je vais dans le détail. C'est pareil pour Vivo Énergie. Vivo Énergie, aussi, j'ai acheté, c'était 870 francs. Actuellement, c'est 860 francs. Donc, il y a moins 552 francs de moins-value.